Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 4 différents sites qui vont vous permettre de gagner de l'argent et des crypto-monnaies par le simple fait d'écouter de la musique et en l'occurrence pour ce premier site, la radio. Donc, comme d'habitude, tous les liens des différentes plateformes présentées seront disponibles en description et on commence sans plus attendre avec la présentation du premier site puisqu'il s'agit de bitrad.io. Alors, qu'est-ce que bitrad.io? Eh bien, c'est une plateforme qui va rémunérer ses utilisateurs pour le simple fait d'écouter de la radio. Cependant, la spécificité de ce site, c'est que vous n'allez pas être rémunéré en fonction d'un système de points en euros ou en dollars, mais directement en crypto-monnaie. En effet, le projet du coup qui est à l'origine de ce site, donc bitrad.io, est relié directement avec une crypto-monnaie. Il s'agit du BRO token et en réalité, vous allez être rémunéré via cette crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'en écoutant cette radio, donc n'importe quelle radio que propose le site, vous allez écouter, admettons, Energy ou une autre radio, Virgin, etc. Eh bien, en échange de votre écoute, vous allez gagner des BRO tokens. Donc la crypto-monnaie qui est directement affiliée à la plateforme bitrad.io. Donc c'est vraiment très intéressant comme concept. C'est assez similaire à Steemit, si vous avez vu ma précédente vidéo sur la plateforme, où en gros les développeurs proposent de rémunérer les utilisateurs via un système de tokens, donc le Steem cette fois. Et ici, on est dans le cas présent, on est sur la même fonctionnalité où vous allez être rémunéré en BRO token. Alors, faut savoir que ce BRO token, du coup, comme toutes les autres crypto-monnaies, est assujetti aux fluctuations du marché des crypto-monnaies. C'est-à-dire que plus il y a de demande et plus elle est assujettie à un effet inflationniste, et inversement, elle perd de la valeur s'il y a de moins en moins de personnes qui s'intéressent et qui achètent cette crypto-monnaie. Donc pour vous donner un ordre d'idée de la valeur d'un BRO token, eh bien on va tout simplement regarder bien la conversion que ça fait en Bitcoin. Donc je me rends ici, voilà, et on va regarder à peu près combien vaut un BRO token. Donc un Bitradio, donc BRO token, vaut 54 centimes de dollars et vous voyez qu'il a pris près de 200% ces derniers temps, donc ce qui est énorme, ça veut dire qu'il y a un engouement assez intense autour de cette crypto-monnaie et que du coup, eh bien, elle prend de la valeur de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à elle et que bah, potentiellement ça peut devenir une crypto-monnaie assez sérieuse. Donc en gros, nous, ce qui nous intéresse, c'est que via cette plateforme, on va gagner ces BRO tokens que nous allons stocker sur un wallet ici que vous avez téléchargé sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir le télécharger ici sur la slidebar en bas. Vous voyez, vous avez l'onglet Register, Download Wallet, et vous allez télécharger votre portefeuille sur lequel vous allez télécharger les BRO tokens que vous aurez gagnés en écoutant de la musique. Donc vous voyez, comme tous les portefeuilles de crypto-monnaie, il y aura un temps de synchronisation avec la blockchain qui sera nécessaire. Et ici, il reste 4 semaines, donc ça fait à peu près 20 minutes, etc., de chargement pour pouvoir valider vos transactions. Donc, une fois que vous serez inscrit, vous vous loguez sur votre compte, vous remplissez le CAPTCHA, voilà, et vous vous loguez. Donc là, c'est très très simple d'utilisation, hein. Ici, ils vont vous présenter les différentes fonctionnalités du projet. Vous avez également la possibilité de lire le white paper pour pouvoir tout simplement comprendre comment fonctionne l'ensemble du projet, etc., les fonctionnalités, les mécanismes en profondeur. What is bitrad.io, donc là il vous explique exactement ce que c'est, et il vous explique également qu'il y a plus de 30 000 stations de radio qui sont recensées sur ce site. Donc si vous cherchez une radio en particulier, donc par exemple si vous avez l'habitude d'écouter Energy Hit, eh bien il est possible que elle soit disponible sur la plateforme bitrad.io. Donc admettons on tape Energy, voilà, eh bien ici vous avez la liste, le listing de toutes les stations qui sont disponibles et que vous allez pouvoir écouter directement sur la plateforme bitrad.io. Donc c'est quand même assez intéressant, sachant que normalement vous êtes obligé d'acheter le support, donc ça représente un coût pour pouvoir écouter de la musique, donc c'est considéré comme un loisir, donc vous devez payer pour pouvoir accéder à ce loisir. Eh bien là c'est l'effet inverse, on va vous rémunérer pour prendre du bon temps en gros, entre guillemets. D'autant plus que vous n'êtes pas obligé, si ça vous contraint, eh bien, tout simplement d'écouter la radio. Vous avez simplement à mettre le son, à muter votre ordinateur, à enlever le son tout simplement, et à le laisser en page de fond pour pouvoir gagner des BRO tokens gratuitement. Donc admettons, vous souhaitez écouter la station Energy Discover, eh bien vous rendez sur celle-ci, dans l'onglet le petit search là. Et ici, vous aurez un petit bouton play. Vous allez cliquer dessus. Moi, je ne le fais pas pour des raisons de copyright, pour ne pas avoir à flouter cette séquence, etc.
Et du coup, vous allez cliquer dessus, ça va lancer automatiquement la radio. Vous aurez bien évidemment une petite pub au début de 10 secondes. C'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Enfin, c'est une façon dont il gagne de l'argent. Et voilà, vous allez gagner des BRO tokens tout simplement en laissant cette page ouverte avec la radio allumée. Donc, vous pouvez bien évidemment, si ça vous embête, eh bien, enlever, muter le son tout simplement pour ne pas écouter et faire toutes vos autres tâches sur votre ordinateur et laisser bien cette page en fond pour pouvoir gagner de l'argent sans rien faire. Donc ça représente vraiment une source de revenus passifs très facile à obtenir. C'est vraiment très simple d'obtenir des BRO tokens, d'autant que vous allez voir la rémunération est assez conséquente. Donc pour savoir combien vous gagnez, vous irez dans votre profil ici. Et là, donc moi, je suis sur mon tableau de bord et vous pouvez voir dans ma balance ici que j'ai à peu près 18-19 BRO tokens et que ceux-ci, je les ai obtenus contre 1h30 environ, donc 100 minutes d'écoute de la radio. Donc ça veut dire que pour 1h30, vous allez gagner 1/5 de BRO tokens. Donc un BRO token, ça vaut 50 centimes de dollars, comme on l'a vu, approximativement, j'arrondis. Donc si on divise par 5, donc ce que j'ai gagné en 1h30, vous obtenez 10 centimes. Ça veut dire qu'en 1h30 d'écoute, vous allez gagner 10 centimes. Donc ça veut dire que si vous multipliez par 24, ça vous fait à peu près 2,5 $ en BRO token par jour pour le simple fait de laisser une page ouverte. D'autant que ça, vous allez pouvoir vous allez pouvoir faire ça de façon simultanée sur plusieurs appareils. Si vous avez votre téléphone, ça marche aussi sur votre tablette, sur ordinateur, sur votre PC portable ou sur votre ordinateur du bureau. Si vous faites ça tout en même temps, eh bien, vous allez pouvoir gagner peut-être 10-15 $ par jour pour le simple fait d'écouter de la radio. Et en plus de ça, le cours de la monnaie, donc le BRO token, peut augmenter drastiquement et dans ce cas-là, vous gagnez encore plus d'argent. Si jamais il atteint les 2-3 $, eh bien vous allez multiplier la rémunération de votre temps d'écoute par ce que la valeur de la monnaie aura pris. Il y a également une autre façon de gagner des BRO tokens, il vous l'explique ici, dans le Proof of Stake. Donc en gros, vous allez gagner 0,5 token par bloc. Donc comme ça fonctionne sur le principe de la blockchain, eh bien vous allez pouvoir gagner des BRO tokens par bloc si vous laissez votre portefeuille ouvert, donc comme ceci, et vous stockez vos crypto-monnaies, vous laissez ouvert, et automatiquement vous allez gagner un demi BRO token par bloc. Alors je ne sais pas exactement combien de temps prend un bloc, mais il me semble que c'est de l'ordre de quelques minutes. Donc vous voyez que vous allez pouvoir augmenter très très vite vos revenus, et ce d'une façon totalement passive. Vous avez également d'autres fonctionnalités comme le Masternodes, où je vous laisserai découvrir toutes les autres fonctionnalités pour gagner des BRO tokens, mais vous pouvez voir d'une façon générale que ce projet est vraiment intéressant, que même si vous n'avez pas gagné énormément d'argent par rapport aux investissements que vous pouvez réaliser dans d'autres crypto-monnaies, là il faut quand même prendre en compte qu'il y a zéro risque, c'est-à-dire que vous n'investissez rien, vous ne perdez même pas de temps. Donc c'est vraiment de l'argent offert, vraiment. C'est vraiment une crypto-monnaie offerte. Vous allez pouvoir gagner de la crypto-monnaie sans rien faire et c'est vraiment très intéressant, il n'y a aucun risque. Et du coup, c'est plutôt intéressant. Donc ça, c'était le premier site, le plus novateur et à mon sens, du coup, le plus intéressant. Le deuxième site que je voulais vous présenter, c'est Radio Loyalty. Donc ça fonctionne selon le même principe que bitrate.io. Bon, l'interface est beaucoup moins belle, etc. C'est beaucoup moins épuré. Sauf que là, ça va fonctionner non pas sur le principe d'une crypto-monnaie, mais sur un système de points. Donc ici, vous vous connecterez et vous irez dans l'onglet Listener Login. Comme ceci, et vous irez sur votre compte. Vous arriverez sur votre compte. Alors là, comme je vous l'ai dit, ça va fonctionner en fonction d'un système de points où vous aurez plusieurs possibilités pour gagner des points. Tout d'abord, lors de votre inscription, vous allez gagner 250 points directement. Et si vous remplissez des informations complémentaires en vous rendant sur My Account, vous allez pouvoir monter jusqu'à 1250 points. Pour le simple fait de renseigner des informations complémentaires que votre nom, prénom, etc. Vous pouvez évidemment donner de fausses informations si vous le souhaitez, et si ça vous dérange, etc. Donc déjà, vous partez avec 1250 points, ce qui est déjà assez intéressant. Ensuite, vous avez plusieurs façons de gagner des points, tout simplement. Hop. Donc comme vous l'avez vu dès le début, il y a des sondages, etc. Avec des offres. Vous voyez, la rémunération varie entre 1000 et 30 000 points à peu près. Vous pouvez également regarder des vidéos et écouter la radio comme on a pu le faire avec bitrate.io précédemment. Donc vous cliquez sur l'onglet Listen Now
Et ici, vous allez avoir un bouton play. De la même façon que bitrate.io, je ne vais pas cliquer dessus pour les problèmes de copyright. Et ça va se lancer automatiquement et vous allez gagner des points automatiquement de façon similaire à bitrate.io. C'est exactement le même principe. Donc, vous allez pouvoir coupler ces deux sites en même temps pour gagner plus d'argent. Et ici, pour demander un paiement, donc là, je ne vous l'ai pas dit, mais ici, vous irez dans votre profil, vous renseignerez l'adresse de votre portefeuille. Donc, vous irez ici dans adresse, new address. Vous allez la copier, la renseigner dans vos informations de paiement et demander un paiement Bero Token qui sera directement transmis sur votre wallet. Ici, c'est différent. Vous n'allez pas être, comme vous l'avez compris, vous n'allez pas être payé en crypto-monnaie, mais directement en argent réel, donc real in coin. Ici, vous avez la possibilité d'être payé sur votre compte bancaire. Donc, 25$, ça représente à peu près 300 000 points, mais c'est vraiment très vite atteignable. En 2-3 semaines d'écoute non-stop, vous avez ces 25$. Si vous le faites sur un ordinateur, donc si vous le faites sur plusieurs supports, ça peut aller beaucoup plus vite. Vous avez également la possibilité de demander des goodies, etc., des casques et tout le bazar, voilà. Donc là, par contre, ça nécessite de bonnes informations avec un vrai nom, prénom et une bonne adresse, etc. Ça paraît logique. Et donc là, vous allez pouvoir être rémunéré soit par virement bancaire, soit via des objets tels que des casques, etc. Donc ça, c'est le deuxième site. Ça fonctionne de la même façon. Je ne vais pas vous faire une présentation détaillée puisque ça fonctionne de la même manière que bitrate.io, sauf que à l'exception près, ça ne fonctionne pas sur le principe d'une crypto-monnaie et que là, vous avez d'autres possibilités pour gagner de l'argent. Le troisième site, celui-ci, il est beaucoup plus connu. Il s'agit de Slice the Pie. Et alors celui-là, il va falloir installer un VPN puisqu'il ne fonctionne pas en France, c'est-à-dire que tout simplement le site ne propose pas d'offres vers le territoire français et du coup vous allez devoir changer votre IP pour la mettre aux États-Unis. Donc moi je vous recommande Hotspot Shield pour pouvoir changer votre IP et pour pouvoir accéder aux musiques. Donc je vais quand même vous montrer l'interface même si je n'aurai aucune musique à vous montrer. Donc ici je me connecte sur mon compte, voilà, comme ceci. Et donc voilà, vous avez un petit message vous disant que malheureusement, selon votre lieu de résidence, etc., le site n'est pas en mesure de vous proposer des reviews. Donc en gros, vous, quand vous aurez téléchargé Hotspot Shield, etc., et que vous aurez changé d'IP, vous irez dans Review. Et là, vous aurez plusieurs musiques. Donc au préalable, il faudra renseigner les genres de musique que vous aimez, etc. Et vous irez cliquer dans Review. Et là, vous aurez plusieurs musiques à tester. Ça va durer de 1 minute à 5 minutes. Vous allez écouter cette musique. Et là, par contre, vous allez devoir écrire un commentaire en anglais de ce que vous avez aimé, de ce que vous n'avez pas aimé. En gros, vous allez écrire une critique. Et en fonction de la qualité de cette critique, le site va vous attribuer une rémunération qui variera en fonction du nombre d'étoiles. Plus vous avez d'étoiles et plus le site considère que vous êtes... que vous avez une analyse critique de qualité et lorsque vous avez 5 étoiles, chacune de vos reviews peut aller jusqu'à 20$. Donc ça veut dire qu'en 20 secondes, bien évidemment c'est qualitatif, hein. Il faut que vous donniez des reviews de qualité, etc. Et au début, vous allez stagner à 1 étoile, puis ensuite le site vous mettra à 2, puis à 3, puis à 4, etc. Si vraiment vous fournissez un travail de qualité, mais si vous arrivez à 5 étoiles, j'ai déjà vu des comptes qui se faisait rémunérer 30 à 40$ par review par le simple fait en fait d'écrire 3 lignes sur une musique qu'il venait d'écouter. Et là, il gagnait 30-40$ d'un coup, donc c'est vraiment très intéressant. Mais celui-là, il faut vraiment s'investir. C'est-à-dire que ce site-là est beaucoup plus sérieux, mais beaucoup plus sérieux. On va dire qu'il faut s'investir beaucoup plus, puisque là, déjà, il ne suffit pas que d'écouter la musique, enfin, entre guillemets, il va falloir donner son avis et l'écrire en anglais. Et donc là, par contre, la rémunération est beaucoup plus importante si vous imitez du vôtre. Et enfin, le dernier site, il s'agit de Music X-Ray, comme ces autres sites. Hein. C'est le même principe, vous allez écouter de la musique et vous allez être rémunéré. Alors là, ici, par contre, le petit désavantage sur ce site-là, c'est que vous n'allez pas pouvoir être payé avant d'atteindre les 20$. Donc ça, c'est un peu chiant, ça veut dire que, d'autant plus que c'est celui qui vous rémunère le moins, ça dépend, ça fluctue. Mais il faut savoir que les 20$, vous les ferez peut-être en 3 semaines, 1 mois si vous faites du non-stop. Bon, ça reste 20$ gratuit, hein, mais ça prend quand même pas mal de temps. Donc là, comme d'habitude, quand vous serez
inscrit, il faudra renseigner vos genres musicaux, les artistes que vous aimez, et en fonction de ce que vous avez renseigné, le site vous proposera des musiques à écouter. Donc ça, c'est pas le même principe que la radio libre, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir écouter de la musique non-stop. Et là, ça sera une durée limitée en fonction de ce que le site vous propose. Du coup, bah là, les gains sont limités. Mais ça reste quand même intéressant si vous conjuguez tous les sites en même temps, en simultané, que vous le faites tous les jours, eh bien, il y a moyen que vous fassiez 200, 300 $ par mois facilement. Bon, vraiment, faut vraiment forcer pour arriver à de telles sommes. Mais pour ma part, moi je trouve que le site bitrate.io peut vous faire gagner vraiment pas mal d'argent. Donc si vous, bah, tout simplement, vous conjuguez tous ces sites en même temps sur plusieurs appareils, il y a vraiment bah, possibilité de gagner de l'argent d'une façon totalement passive. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à la partager, à la liker et à vous abonner, c'est le plus important. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Felgab, ciao! We'll be right back.